Salut à tous, c'est Ralga pour un nouvel épisode de Regard dans le rétro, le quatrième sur The Secret of Monkey Island Special Edition, donc le remake du jeu de LucasArts. Donc, si vous vous rappelez bien, la dernière fois, l'instructeur qui doit m'apprendre le combat à l'épée m'a dit qu'il fallait que j'apprenne quelques insultes auprès des pirates de l'île, que vous pouvez voir sur la carte actuellement. Donc, une bonne partie de la vidéo va se résumer à cet apprentissage des insultes. Donc, voilà. My name is Gabber Sheepwood. Prepare to die. You fight like a dairy farmer. How appropriate. You fight like a cow. Donc, je vous explique le principe de cet apprentissage. Donc, il faut voir que les pirates m'apprennent des insultes. Oh, yeah. Donc celle-là, je la connais déjà, par exemple, c'est une de base. Voilà. Donc il faut que j'apprenne les insultes et leurs réponses associées. Donc là, j'ai appris l'insulte « ta voix n'a pas encore mué » que je vais pouvoir utiliser sur un autre pirate qui pourra éventuellement m'apprendre la réponse. Il faut que j'apprenne un certain nombre de réponses avant de pouvoir affronter la reine du sable. Donc cette génération est aléatoire. Voilà, ça c'est une réponse par défaut. Donc il ne connaît pas la réponse à cette insulte. Il faudra que je l'apprenne auprès d'un autre. Donc là, je vais faire quel idiot pour qu'il y ait une insulte qui me fait reculer. Pour que la main soit au pirate adverse. Voilà, nouvelle insulte, dont je ne connais pas la réponse évidemment. Hein. Il faudra que je la prenne auprès d'un autre pirate. Donc, oh yeah. Oh yeah. Have you stopped wearing diapers yet? Voilà, une nouvelle insulte, donc ça en fait déjà 3 si je dis pas de bêtises, mais je n'ai pas leur réponse. Yeah. Voilà, je me fais désarmer. I give up. You win. Ah, nouvelle réponse. Petit commentaire sur le fait qu'il n'y a qu'une seule map pour tous les chemins. Bon, celui-là, il ne connaît pas non plus la réponse à cette insulte-là. Have you stopped wearing diapers yet? Il connaît pas la réponse à cet insulte non plus, putain, c'est pas de bol là pour l'instant parce que c'est totalement aléatoire. You have the manners of a beggar. I wanted to make sure you'd feel comfortable. Voilà. Donc j'ai appris une réponse à une insulte que je pourrais en ce maintenant réutiliser. Et c'est comme ça sur tous les pirates. Il y a en tout une quinzaine d'insultes à apprendre et leurs réponses associées. Donc vous pouvez voir que c'est un peu long. J'espère que j'aurai un peu de chance. Voilà. Vous pouvez voir qu'ils se sont fait bien plaisir sur les insultes. Mais les insultes en VO sont mieux que les insultes en VF d'ailleurs. Et elles correspondent pas forcément. My name is Gabber Sheepwood. Prepare to die. Donc nobody's ever drawn blood from me and nobody ever will. You run that fast. Voilà, j'ai appris la réponse à cette insulte. I got this scar on my face during a mighty struggle. Ça c'est une insulte que j'ai déjà vue mais je n'ai pas sa réponse qui est j'ai sorti un tube cet été, je crois, un truc du genre en VF, enfin. Donc là, ça par exemple, ça ne marche pas. Je recule. Nouvelle insulte, il me semble. Donc je n'ai pas la réponse non plus. Voilà. Bon, il me semble que c'est un peu la merde statistiquement là.
can be dangerous to your health. Hop, my name is Guybrush. My name is Guybrush. Voilà, blabla. Prepare to die. Donc, voilà. I got this scar on my face during a mighty struggle. I hope now voilà. You've learned to stop picking your nose. This is the end for you. Nouvelle insulte. Crawling cur. Oh yeah. Nobody's ever drawn blood from me, and nobody ever will. You run that fast? Voilà, je connaissais déjà la réponse à cette insulte, donc je peux l'utiliser et le mec recule. Have you stopped wearing diapers yet? Why? Did you want to borrow one? Voilà, j'ai appris la réponse à cette insulte. Et ben, je me fais désarmer. Where did my sword go? Mais j'ai pas trop de chance là. Parce que je dois connaître. Bon, allez. Je dois connaître 6 ou 7 insultes là sur les 15. Et surtout que forcément, statistiquement, les dernières sont très chiantes à apprendre parce qu'elles ont moins de chances de tomber. Enfin, chaque insulte a autant de chances de tomber, il me semble. Donc, du coup, forcément, à la longue, les insultes qui me manquent ont moins de chances de tomber. Et j'ai besoin d'en connaître le maximum. Si possible, au moins 13 ou 14. J'ai pas besoin de toutes les connaître, il me semble. Enfin, là, pour le moment, ça se passe pas vraiment comme prévu. Donc, je pense que je vais faire une ellipse là sur l'apprentissage parce que c'est pas forcément très intéressant à regarder, ni à faire d'ailleurs. Je vais vous mettre un extrait d'un film qui explique pour la phrase My name is Guybrush Threepwood, prepare to die. Qui est extrait d'un film donc. Hop. Donc. A tout de suite. Hello. My name is Inigo Montoya. You killed my father. Prepare to die. Et nous voilà de retour après cette ellipse qui aura duré pour vous quelques secondes et pour moi 20 minutes parce que la chance n'était vraiment pas avec moi. Donc maintenant je connais beaucoup d'insultes. Mince, il connaît la réponse, donc du coup je recule. I've spoken with apes more polite than you. Voilà. Je vois que tu restais chez tes parents. Non, il a dû t'apprendre. Non, c'est le chien. Il a dû t'apprendre tout ce que tu sais, je crois. I'm glad to hear you attended your family reunion. C'est méchant. Mais c'est bon enfant. Ça fait un peu insulte de maternelle. Nobody's ever drawn blood from me, and nobody ever will. I am rubber, you are glue. Il ne connaissait pas la réponse à cette insulte. Have you stopped wearing diapers yet? Why? Did you want to borrow one? Ah, il connaît la réponse à cette insulte. Voilà, vous connaissez, vous avez vu le principe de ces combats-là. Je vais te les apprendre, je crois. Yes, there are. You just never learned them. Voilà, désarmé. Wow. You're good enough to fight the sword. Voilà, et maintenant il vient de me dire que j'étais assez fort pour affronter la reine du sabre. Donc je retourne au village. Ah oui, pour la petite histoire, ce combat d'insultes a été créé parce qu'en fait, à la base, il voulait faire un vrai combat d'épée. Mais il trouvait que ça ressemblait trop au jeu pirate développé par Sid Meier, le mec de Civilization notamment. Et que du coup, il voulait faire ça différemment parce qu'on les aurait accusés de plagiat.
Voilà, donc ils ont essayé de faire des combats d'insultes. Normal, quoi. Enfin, normal pour un mec de LucasArts. Hein. Je rappelle qu'il prenait. Et je pense qu'il prenait des trucs parce que. Ils sont vraiment bizarres. Ahoy there, fancy pants. What do you want? I'm looking for the Swordmaster of Melee Island. The Swordmaster of Melee Island? Now, I don't know. See, nobody knows the whereabouts of her secret hideout. Nobody except me. C'est un peu pour ça que je te demande, d'ailleurs. Ask her if it's okay to show you the way. I guess I could hike all the way over there. Once. Be right back. And don't touch anything. Hop. Et en fait, là, faut pas l'attendre. Faut le suivre. Hop. Enfin, forcément, faut aller dans la forêt, quoi. Donc, y a pas trop de surprises sur le chemin à prendre. Hein. Hop. Et en plus, pour nous indiquer le chemin, ils le mettent devant nous. Hop, on le voit sur la map. Hop, le marchand. Donc, faut aller dans la forêt à la fourche. Maintenant, faut le suivre. Donc, voilà. Bon, si franchement il nous voit pas, il est vraiment aveugle et sourd. Voilà, la maison de la reine du sabre avec ce magnifique panoramique. I better just stay back here and eavesdrop. Hello again, Carla. I thought I told you to get lost. Actually, I'm here on business. This kid come into my store, see? Face it, you crusty old lech. You'd make any excuse just to come out here and bother me. Yeah, I guess so. We'll cut it out. Voilà, donc maintenant le vieux est en plus d'être dégoûtant, est un vieux pervers. Donc encore plus dégoûtant. And then I become another Melee Island tourist attraction. Hey, it's your loss, baby. Yeah, right. Now scram. Hop, donc maintenant je peux aller la voir et je peux l'affronter. How dare you approach the Swordmaster without permission, which I surely didn't give you. Donc, name is Gabber Streetwood. I've come to kill you. Nothing like being honest. I can tell by the sarcastic expression on your face that you've been fully trained by Captain Smirk. Let's get this over with. Voilà. I've got the courage and skill of a master swordsman. Donc voilà, là, j'ai appris plein de réponses aux insultes, mais c'est pas les mêmes questions. Donc faut que je trouve des réponses qui correspondent. Donc ça, à force, je les connais. Hein. Par exemple, celle-là n'a pas de réponse associée, donc on est obligé de perdre. Donc oh yeah, enfin toi-même macaque. Every word you say to me is stupid. Celle-là aussi n'a pas de réponse. Oh, yeah? Oui, parce que c'est quand même censé être vaguement un boss, donc forcément. My name is feared in every dirty corner of this island. Je vais te la fermer, il me semble. So you got that job as a janitor after all. Voilà. If your brother's like you,
Better to marry a pig. J'ai gagné le concours des plus belles cuisses. Enfin, des plus beaux mollets. I will milk every drop of blood from your body. Oh, appropriate ou fight like a cow, donc je sais plus comment ils disent en français. How appropriate. You fight like a cow. Hop. C'est bientôt bon. My wisest enemies run away at the first sight of me. Oh mince, il me semble que c'est une des réponses que j'ai pas appris. Parce qu'il y en a une que j'ai pas appris du coup, j'avais déjà... J'ai farmé pendant 20 minutes cette dernière réponse, donc... ça c'est sur la voix, donc c'est le tube cet été. I hope now you've learned to stop picking your nose. I give up. Voilà. Well, I hope you're happy. Donc on peut gagner avec moins d'insultes, enfin moins de réponses aux insultes en stock, mais du coup on a moins de chances de gagner. Parce qu'il y a globalement, il y a de la mémoire pour se rappeler des réponses associées aux questions, mais il y a aussi surtout de la chance. Parce que par exemple là j'ai eu les deux seules questions qui ne peuvent pas avoir de réponse, il me semble. Donc c'est vraiment pas de bol. Et donc la preuve que j'ai battu Reine du Sabre est un t-shirt comme le trésor de l'île. Wow. Donc faut que je retourne hop au village. Oh, un événement. So confused. Hey, what are you doing just standing around? The governor's been kidnapped. Oh, mince. What? By whom? LeChuck's got her on that ship that just sailed off. I'm afraid we've seen the last of her. So where were you this whole time? Sleeping? Hey, I'm a lookout, not a bodyguard. Tu sais rien, quoi. Where did they go? LeChuck's taken the governor back to his hideout on Monkey Island. I'm afraid that no pirate on this island is brave enough to follow him there. But hey, good luck. Oh yeah, I almost forgot. They left this note. You can have it, but I don't think you'll like what it says. Bon allez, c'est parti, regardons la note de LeChuck. Attention, pirates of Melee. Your governor is alive and well and by my side as she was always meant to be. If you try to find us, you will only meet with horrifying disaster. Yours truly, Captain LeChuck. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Est-ce que je vais réussir à la sauver? Vous le saurez en regardant les prochains épisodes de Regardons le Rétro. Parce qu'on va arrêter là, hein. Ça fait quand même déjà pas loin de 20 minutes. 19 minutes. Donc partagez cette vidéo si elle vous a plu, hein. Suivez Vasson sur Facebook, sur Twitter, sur Steam, et puis à la prochaine, ciao !